Ou écoutez Mentalitude. Mentalitude, c'est un podcast qui traite des thématiques psychologiques, santé mentale et développement personnel monde. Objectif podcast ça, c'est de atteindre le plus niveau épanouissement personnel et émotionnel possible. Mon cas présenté au podcast ça, c'est Osman Jérôme, licencié en psychologie. Bonne écoute. Famille Mentalitude, bonjour. Moi c'est Osman Jérôme cap souhaite vous bienvenue dans 133e épisode Mentalitude. Mentalitude c'est un podcast sur santé mentale, thématique psychologique avec tout l'autre sujet qui gagne rapport avec bien-être émotionnel monde de façon générale. Principal objectif podcast là c'est aider ou gagner une vie psychologiquement plus équilibrée. Un nouveau épisode podcast là disponible chaque semaine sur diverses plateformes qui diffusent podcasts. Et podcast là également disponible sur SoundCloud et YouTube. Pour jeune podcast là sur toutes plateformes les disponibles, c'est j'ai écrit Mentalitude MANTALITID. Alors, j'en capable remarquer ça dans titre là. Dans nouveau épisode de Mentality de Jodia, nous pral essayer répondre à 10 questions essentielles qui gien rapport avec orientation sexuelle monde. Yon thématique complexe qui tabou tout dans quelques milliers notamment dans communauté haïtienne. À travers question ça yo, sans doute ou pral connait quelques bagailles ou pas connait sous orientation sexuelle. Ou écoutez Mentalitude. Mentalitude, c'est un podcast qui traite des thématiques psychologiques, santé mentale et développement personnel monde. Objectif podcast ça, c'est de atteindre le plus niveau épanouissement personnel et émotionnel possible. Mon cas présenté au podcast ça, c'est Osman Jérôme, licencié en psychologie. Bonne écoute. Même avec le temps, parler de la sexualité, parler d'orientation sexuelle, toujours été yon tabou dans quelques milliers, dans quelques familles haïtiennes. Pourtant, même Jacques n'importe l'autre sujet qui a un rapport avec le développement psychosocial génial, nous devons être capables d'aborder ce sujet. Si tout le monde connaît qui quantité cliché et stéréotype qui entourait sujet sensible ça yo. En fait, j'en noté annoncé ça tout à l'heure, épisode mentality de jeudi a c'est une occasion pour répondre à 10 questions importantes, 10 questions essentielles sur orientation sexuelle. Alors, avant même nous commencer, l'important pour me souligner pour nous tout ça ou pral tande la, question tant kou élément de réponse yo, yo tout sorti nan yon article qui disponible sur site APA qui c'est Association Américaine de Psychologie. Donc c'est document ça nous utiliser pour que nous capable présenter ou épisode mentality de jodi a. Première question c'est qui ça orientation sexuelle? Orientation sexuelle, c'est une attraction émotionnelle, romantique, érotique, sexuelle ou soit affectif, yon moun genye pour yon lot moun qui dirait à travers temps. Donc, dire à travers temps, vle dit que c'est pas on bagay moun nan juste senti jodi an la et puis demain li disparaître, mais si on bagay moun nan vive avec li nan ville sur la durée. Orientation sexuelle capable distinguer facilement de l'autre élément qui fait partie sexualité nous commun qui gen là-dedans le sexe biologique nous identité sexuelle nous rôle social sexe joué par rapport à homme qu'il tire si on monde c'est garçon si lui c'est femme etc. Gagné diverses formes orientation sexuelle dont nous pas parler de ça spécialement et jodi a. Mais ça nous plus qu'on est yo c'est hétérosexualité,
les yon moun seulement attiré sexuellement par yon l'autre moun qui se sexe opposé à lui-même. Ensuite gagnent homosexualité, les yon moun seulement ou bien presque seulement attiré sexuellement par yon l'autre moun qui gagne même sexe à lui. Et dans cas de garçon yo parler de narcissie, dans cas de fille yo parler de lesbienne et ma divine, j'en nous souvent dit ça en créole. Et puis gagnent bisexualité, c'est les yon moun non seulement attiré sexuellement par moun qui gagne même sexe à lui, mais tout li sexuellement attiré par moun qui gagne sexe opposé à lui. Orientation sexuelle li différent de conduite sexuelle parce que orientation sexuelle li même li fait référence à sentiment, émotion, concept yon moun gagne de sexualité li. Et puis tout pour une raison ou une autre gen moun ki capable ou bien pas exprimer orientation sexuelle yo nan conduite yo. Deuxième question essentielle sur orientation sexuelle. Qui ça qui fait yon moun genyen yon orientation sexuelle déterminée? Gen pile théorie sur origine orientation sexuelle yon moun. Je dis à pi fort scientifique yo mete yo d'accord que orientation sexuelle yon moun c'est plus probablement résultat yon interaction complexe entre facteurs biologiques, facteurs cognitifs ak environnement social la. Nan ka majorité moun yo, orientation sexuelle commence à former nan yon l'âge bien bonnet. En plus de ça, nan dernier moment sa yo la, genye preuve important ki montre que biologie ki gen la dan facteur hormone génétique yo joue yon rôle important nan sexualité yon moun. Donc, li important pour nous reconnaître que genye probablement en pile raison ak motif pour orientation sexuelle yon moun différent de yon lot moun. Troisième question, est-ce que orientation sexuelle c'est un choix? Non. Yon moun pa ka choisi s'il doit gay ou soit hétérosexuel. Pour pi fò moun, orientation sexuelle paraît nan commencement adolescence sans aucune expérience sexuelle avant. Malgré que nou ka choisi agi sou sentiment nou yo, psychologue yo pa considéré orientation sexuelle comme un choix conscient qui est capable de changer de manière volontaire. Quatrième question, est-ce que thérapie a changé orientation sexuelle au monde? Non. Alors, même si un pile monde qui gay a vive la vie ak ke content ak tout succès réussite sa mandé, mais sous pression famille, pression société, groupe religieux, quelques monde qui homosexuel, bisexuel, capable chercher faire un changement dans orientation sexuelle à travers thérapie. Réalité a c'est que homosexualité pas une maladie. Donc mon n'a pas besoin d'un traitement pour changer. Cependant, c'est pas tout monde qui gay, lesbienne, bisexuel qui cherche à joindre une aide professionnelle santé mentale, c'est dans l'idée pour changer orientation sexuelle. Souvent, en pile nan yo chercher si pour un professionnel santé mentale, dans processus pour joindre pi bon façon pour révéler orientation sexuelle avec famille ou avec proche. Et puis tout joindre pi bon âme émotionnelle pour faire face à tout stéréotype social orientation sexuelle yo capable traîner derrière yo comme conséquence. Cinquième question essentielle sur orientation sexuelle. Est-ce que homosexualité c'est une maladie mentale ou sinon un problème émotionnel? Non. Psychologue, psychiatre et l'autre professionnel santé mentale yo d'accord que homosexualité c'est pas une maladie ni un trouble mental ou soit yon problème émotionnel. Plus passé 35 l'année recherche scientifique rive montré que homosexualité en lui-même ni li pas associé à un trouble mental ou soit problème émotionnel ou soit social. Alors quelques années de ça, yo te kwè homosexualité c'est une maladie mentale
parce que professionnel santé mentale yo ak société a te gen information ki pat chita sou objectivité sou sujet sa. En 1973, Association américaine de psychiatrie te obligé exige yon nouveau investigation sans force côté pour te capable rive supprimer homosexualité nan manuel ki classifié trouble mental ak problème émotionnel yo. Et puis deux années après, bon côté pal, Association américaine de psychologie t'a pral soti li même tout yon résolution pour appuyer démarche sa. Sixième question essentielle sous orientation sexuelle. Est-ce que yon gay, yon lesbienne, yon bisexuel capable yon bon parent? Oui. Étude qui compare groupe ti moun ki leve pa parent homosexuel ak parent hétérosexuel découvri que pa gen différence nan développement ti moun sa yo nan aspect critique tankou intelligence, adaptation psychologique, adaptation sociale, relation yo kapab genye ak zanmi yo. Et puis, li important pou nou pran en considération, orientation sexuelle yon parent pa automatiquement indike orientation sexuelle ti moun li ap leve yo. Ensuite, yon lot mit ki genye sou parent homosexuel kap leve ti moun yo, genye yon fos kwayans ki ta vle fè kwe ke garçon homosexuel yo sitou qu'on gen tendance pour abuser sexuellement ti moun yo. Yon hypothèse qui pa gen évidence pour prouver toujours d'après article à part. Septième question, pour qui ça processus coming out là, ça nous relé dans créole là, les moun nan li soti nan closet là, li difficile pour kek masisi, ma divine ak bisexuel. Discrimination, stigmatisation, violence pour en pile homosexuel bisexuel processus sorti nan closet la pa yon exercice ki facile, mais pour quelque tout c'est le contraire. Assez souvent moun ki gay yo, lesbienne, bisexuel kon senti yo paix yo différent parce que orientation sexuelle yo différent de majorité a. Du coup ça dépend de environnement familial moun nan. Eh bien, moun sa li pral gen pou le faire face à tout jugement négatif, tout préjugé, stéréotype société a gagné sous homosexualité à cause sitôt manque information moun yo gagné. Adolescent aussitôt ka senti yo vulnérable face à effet nocif préjugé ak stéréotype sa yo. Et mette sous ça yo capable gen pète ou pour yo pas rejeté par prof famille yo, zami yo, collègue travail yo, institution religieux yo. En pile fois moun ki homosexuel yo gen préoccupation tout pour yo pas perdre travail yo, pour yo pas faire objet d'hostilité dans l'école, dans espace côté y a évoluer les autres monde vinn découvrir orientation sexuelle yo. Et malheureusement, moun ki homosexuel yo gen plus risque pour yo victime de attaque physique, violence à cause orientation sexuelle yo parce moun ki hétérosexuel yo. Huitième question, qui ça qui ka fait pour faire face à préjugé à discrimination moun ki masisi, ma divine ak bisexuel yo a rencontré. Alors diverses investigations rivaient montrer que moun ki gen attitude plus ou moins positif envers moun ki homosexuel, moun ki bisexuel yo, c'est moun ki dévoilé yo konnen bien yon ou bien divers gay, lesbienne ou bisexuel comme zami ou bien collègue travail. Alors, nan sens sa, psychologue yo kwè que attitude négatif envers homosexuel yo comme groupe c'est préjugé qui pas basé sur expérience réelle, sinon sur stéréotype et manque information. C'est pour ça protection contre violence et discrimination li important nan cas ça, même gens li tadoyé pour n'importe l'autre groupe minoritaire nan société. Neuvième question, pour qui ça l'important pour société a plus conscientiser sur homosexualité?
Li probable pendant n'a fait campagne pour conscientiser tout le monde sur orientation sexuelle yo ak homosexualité, ça capable réduire préjugé anti-homosexualité. Bon j'ai information sur orientation sexuelle, sur homosexualité, vraiment important pour jeunes qui à peine a découvert ou bien qui a cherché comprendre sexualité, que ce soit c'est hétéro, homo ou bien bisexuel. Et dans ce sens, parole qui t'a fait quoi accès à information ça yo ka plus pousser yon moun vin gay pas gagne fondement qui objectif. Et enfin, dixième question essentielle sur orientation sexuelle, nous joignons un article ça qui est disponible sur site APA, Association américaine de psychologie, c'est est-ce que tout garçon gay bisexuel infecté par VIH? Non. Ça c'est un mythe qui vraiment populaire. En réalité, risque pour exposé à VIH sida gagne plutôt rapport à conduite yon moun mais non à orientation sexuelle. Voilà, madame monsieur Sayo, c'était 10 questions Sayo, nous te joignons dans document ça, j'aime dire qui est disponible sur site APA qui c'est Association américaine de psychologie. Merci en pile parce que t'as attendu 133e épisode de Mentalité de ça. Moi, espérer ou apprendre au moins yon bagay qui nouveau, qui gagne rapport ak orientation sexuelle, qui gagne rapport ak sexualité non commun. Si vous trouvez contenu ça intéressant, pas hésiter partager ak yon moun, ak plusieurs moun, kon sa plus moun av attendu épisode Mentalité de ça. Non pas c'est Osman Jérôme qui a rendez-vous semaine prochaine pour un autre épisode Mentalité.